Ah, les amis, ça fait plaisir de vous revoir. Ah, vous êtes bien dans The Big Gamoski, et oui, je suis toujours dans ma combi du cosmos. Et je suis plus sur Mars. Non, je ne suis plus sur Mars. Ils sont revenus me chercher. Bah, et je vous explique tout de suite après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les choses sont arrangées. Et moi, j'étais sur Mars, sur ce fantastique jeu dont vous vous souvenez peut-être que je vous ai chroniqué, et qui est Surviving Mars. Et donc, bah, je cherchais des vies extraterrestres au passage. Et en fait, on m'a rapatrié sur Terre pour ça. Parce qu'ils m'ont dit, ça sert à rien qu'on cherche dans l'espace. Non, ça sert à rien du tout. Bon, les extraterrestres, en fait, ils sont déjà sur Terre. Alors, moi, j'ai fait que. Ah. Et donc, bah, là, je suis voyage tout frais payé sur un endroit assez sympa, vous allez voir. Et on va foncer dans ce jeu qui s'appelle Epitasis. Comment ça, je vais pas faire tout le stream avec. Bon, ok, je vais enlever le casque. Bougez pas. Ah, ça va mieux. Bon, eh ben, Epitasis, on va foncer dedans. Hein. Oui, grande musique New Age. Tiens, ne serait-ce pas un Fell? Non, pas aujourd'hui. Vous avez vu ça? Une maîtrise totale. Et nous voilà, Epitasis. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu d'exploration énigme qui va vous lâcher. Bah, on sait pas trop où, hein, je sais pas du tout où on va aller. Et de ce que j'ai compris, le but c'est, oui, explorer et résoudre des dames énigmes. Il se trouve que ces énigmes vont vous rappeler certains portals par moment, parce que oui, il y a des, la logique qu'on doit y développer est assez similaire. Le truc que j'ai trouvé marrant, c'était que le jeu est stylisé et sa BO, elle est super rigolote parce que c'est vraiment très. Bah, vous allez voir, je vais pas être stressé en fait. Hein. Allez-y. Donc comme je vous disais, apparemment, il se trouve qu'il y a de la vie extraterrestre, mais pas dans l'espace, sur Terre. Alors ce que je vais faire, je vais les trouver, je vais leur piquer leur vaisseau, comme ça après je pourrais partir dans l'espace et faire des shmups. Mais échelle 1 quoi. Comment ça me passe pas cette manie des shmups? Bah ça arrive hein. Donc écoutez-moi cette musique. Je vais vérifier mes réglages vidéo quand même, parce que ce serait moche qu'on soit pas dans un mode optimisé. Hop, 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 hop. Tout va bien, tout va très bien. On va laisser cette luminosité-là. Et on y retourne. Oh zut, j'ai fait bugger la musique. Pas bouger. La relève se casse au loin, les antennes se réorientent. Et moi je vais aller me taper une petite bière dans le frigo. Il est où le frigo? Que va, pas de frigo? Quelle arnaque!
Eh oui, je vous l'avais dit. No bullshit dans TBG. Les martiens sont déjà là. Non, la musique, elle est délire, quoi. Je pourrais vous faire un petit stream ASMR. Tu veux que je te fasse le bruit de l'herbe? Non, c'est mon pull. Alors, on peut enfin se déplacer. Et on va aller se balader. Oui, mais la nuit, c'est joli. Et puis, on peut faire des rencontres super sympas. Alors, j'aime bien faire fouiller, pas dans la direction où on m'invite à aller. C'est le syndrome casse-bonbon. Suis la lumière. Pas grand chose avec quoi interagir pour l'instant. Comment ça, ça commence, c'est déjà une connerie? Non, pas du tout. Je suis parfaitement conscient de ce que j'ai fait. C'était mûrement réfléchi. Je me casse. Je me casse pas très loin, en fait. Bon, je vais arrêter de me casser là et on va aller où le jeu veut que j'aille. Qu'est-ce qui se passe? Au moins, on sait où on est. Enfin, je m'avance peut-être, en fait.
Donc, comme promis, exploration il va y avoir. Mais je crois pas qu'on est encore dans l'endroit où on était à l'origine. Hein. C'est certainement pas la cachette droite. Ouais, c'est start. Au moins je le sais maintenant. Donc j'ai à nouveau des portails activés, mais aucune idée de où ça va m'emmener, ni s'il y a un ordre particulier pour les faire. C'est bizarre, c'est étrange, c'est tordu. Allez, on y va. On y va, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Dans quelle étagère? J'ai pas pris mes lunettes de soleil, moi. Qu'est-ce que quoi? Mais on est dans le remake de Blade Runner? Comment ça, c'est pas un remake? Mais tu... Enfin. Des choses, des bidules. Nup, nup, nup. Je suis pas rentré chez moi, moi je vous le dis les gars. Il y a des arbres, ça veut dire qu'il y a un fond. Non, je vais pas tenter le truc, mais... J'y pense des fois. Alors, j'ai juste un inter, il est juste là, il fait que dalle. Le symbole, si vous le comprenez, vous me dites, moi je comprends que dalle. Alors, ce qui est bien, c'est de démarrer un jeu d'énigmes où t'as les énigmes dès le début, t'es mort quoi. Alors, j'ai le nombre de poches, on va chercher un peu. Histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien quand même, ce serait moche. Ouh, le vilain clipping. Il y a que dalle, hein. J'invente pas. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais faire mon tour, moi. On va se visiter les portes, et puis celle qui s'en semblera la plus sympathique, on l'adopte. Oh, joie, je suis revenu à mon point de départ. J'avais une appréhension comme quoi il allait me faire réapparaître dans un truc pas possible. Impossible à localiser. Alors, où suis-je? Ok. C'est ce truc là-bas. C'est une tâche sur la planète. Magnifique. Bon. Bah, on va s'essayer, hein. Puisque s'essayer, il faut. Alors ça, c'est plus près, apparemment. Alors, ce qui est sympa, c'est, hormis la musique, bah, c'est assez stylisé, c'est rigolo. Maintenant, on va voir les énigmes. Alors, il te faut un... Et puis, avec du... Et ça.
D'accord. Bah, j'en prendrai d'autres chaque. J'ai un cube, les gars. Les gars, j'ai un cube! On va inspecter le coin. Petit rayon et ça a activé ça, on dirait. Alors, je sais pas du tout où c'est. Où c'est qui va m'envoyer? Même pas peur. Là, là, ça va être le bordel. Alors, procédons par ordre. Ça, c'est pour ouvrir ça. Voilà. Et ça, c'est. Ça c'est pour pas grand chose, donc ça sera pas notre priorité. Ok. Je vais me la tenter comme ça. Non, je sais pourquoi c'est. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça doit être pour garder ça ouvert. Et que je puisse récupérer mon dame de cube. Ça semble logique. Ok, j'ai rien dit du tout. Alors rien du tout, tu vois. Ça c'est quoi? Ça bascule sur du verre. Est-ce que ça a une utilité? Voilà. Si je me mets là-dessus, ça active la source d'énergie qui m'ouvre le passage. Non, que dalle. Quoi qu'il advienne, il faut que je récupère absolument le premier cube. Donc il doit falloir, il y a une astuce à faire avec ça. Hop. Fallait que ça arrive. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Le rouge, c'est mal. Ne touche pas le rouge. Ok. Je ne touche pas le rouge. Amène ça là-bas. Gentiment. Plop. Prends ça là. Plop. Plus le rouge, au moins je suis plus emmerdé. Maintenant si je joue avec mes petits cubes ici, qu'est ce qui va se passer? Il y a un rayon qui arrive? Rien. C'est tout ouvert? Non, c'est pas tout ouvert, c'est tout bleu. Là c'est tout ouvert.
Je présume. Oui. Mais du coup, j'aboutis à quoi? Ça se mène chez Comment ça, monsieur K, tu n'es pas doué dans les trucs d'énigmes? Non, pas vraiment, non. Puis ça dépend de l'heure, hein. Si c'est la journée, le soir. Ah bah voilà ce que je cherchais, tiens. Par contre, je sais plus du tout où je dois le ramener. Mais peut-être. Oh, regardez un portail là-bas encore. Pour semer davantage en confusion. Dame, dame, dame. Est-ce que je peux me barrer d'ici sans repasser dans ce schmurz? Je présume que si on descend de haut, on se prend des gadins. Non, oui, peut-être. Parce que j'ai pas envie de refaire le parcours, hein, très honnêtement. Je regarde comment ça se passe. Pourquoi ils mettent des escaliers ici? On va pouvoir faire quelque chose. Mais pas le mur invisible, pitié. Non, pas ça. Je déteste ça. Tout le monde déteste les murs invisibles dans les jeux. Il se fout de ma quiche, ce truc. Ok, tu veux te foutre de moi. Bien, 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 bien. J'aurai mon raccourci. Même si je dois prendre plus de temps à le chercher qu'autre chose. Niarf, 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 niarf. Ok, ça c'est d'où je viens. Bien. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, faudrait que j'aille. Ça, ok. Si je me rappelais plus, il fallait le mettre ce truc. Salut. Alors, j'ai ouvert ce bidule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas? Oula. Donc vous avez pigé le principe, exploration, des petits problèmes à résoudre, voire des gros des fois. Le tout laissé à votre compréhension, c'est-à-dire moi rien du tout, hein, ça se sent un peu d'ailleurs. Et ce n'est pas ouvert. Et donc I've got. Exactly, no idea of what I'm doing here. Et c'est quoi ce robot? À quoi il sert? À rien. Oups. Oups. Alors moi, tant qu'on me laisse explorer, j'explore, hein. Je vais y aller, les gars. Je vais pas me retenir. Parce que musique cool, paysage bizarre. On a envie de se paumer. Je vois pas trop de structure par ici par contre, donc je sais pas, on va tester, voir si le jeu est vraiment vous laisse vous balader où vous voulez. Ah, le mur invisible. Ok, il vous laisse balader où vous voulez, mais pas tant que ça quand même. On va voir à part. Alors j'ai activé ça, ça m'a balancé le rayon là-dessus et je suis coincé là-dessus puisque je ne vois aucun interrupteur ou aucun mécanisme activé. Et que ce damne truc là qui fait changer la chromie de l'image, bah, ça m'indique tout sauf ce que je dois faire. Ça c'est pas normal. Je lis pas. Je lis pas ce que t'as écrit, monsieur. Monsieur, on comprend rien. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais ça échappe totalement à la compréhension. Dis, robot, t'as pas une idée? Bon, bah, quand ça veut pas, ça veut pas, hein, dit-on. Alors ça a l'air de bouger ça en plus. Donc il y a peut-être un autre truc à activer sur cette île, je sais pas. Enfin, sur cet endroit. Je dirais qu'il y a une structure là-bas au bout.
Ou alors c'est des arbres. Ça doit être des arbres. On va éviter puisque le jeu est pas ultra permissif non plus. Je suis pas passé ici, ici. C'est là où j'ai activé mon bousin. Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc encore à activer que j'aurais oublié? Si j'enlève ça, ça m'enlève juste ça. Si j'amène mon cube là-bas, est-ce que ça aurait une utilité? Je vais le faire bêtement à ce point-là, quoi. Hop, ça lance un truc. Et je peux récupérer ça? Ah non, c'est installé, monsieur. Alors, je veux bien balader mon cube, mais en fait, j'ai vu absolument rien. Pas une seule dalle comme ça pour... Je m'en vais. Comment ça? Tu fuis courageusement? Exactement, je fuis courageusement. Vous avez tout compris, les amarches. L'énigme ne me paraît pas... Et puis comme ça nous permet de goûter un petit peu tous les endroits qu'il peut y avoir. On va aller à Triumph Island. Triangle Land qui est bien connu pour sa culture du brocoli géant rouge. Comment ça, je dis encore n'importe quoi? Je suis obligé, vous entendez la musique, ça va vous endormir, après vous allez être comme ça là. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu m'emmènes où? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que ça change ça? Aucune idée. Non, c'est tout le temps la même destination. Est-ce qu'on y va? Même pas peur, mais je vais me paumer parce que entre les endroits où on va et d'où on vient, et il y a un moment, je vais plus suivre. Ouh là là, pourquoi je suis pas resté chez moi? Comment ça, on est là pour la balade? Oui, bah pas que quand même. Faudrait que j'arrive à avancer dans ces dernières énigmes. Ça serait une bonne nouvelle. Ah, rayon. Alors les tours, ça fait des rayons. Les rayons, ça ouvre des portes. Ici, on voit bien qu'il y a deux côtés, donc forcément deux rayons. Zip. Voilà. Alors effectivement, si vous cherchez du jeu où il n'y a pas de stress, où on n'est pas chronométré par le temps, je crois qu'on a trouvé le bon... On a tiré le bon numéro là. Ça devrait être ouvert ça là-bas. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? C'est d'où je viens? Ou c'est encore un autre passage à la noix? Ça y est, ça commence. Ah, je vais aller voir! Mais j'irai pas! Non. Je fais que passer. Je regarde comment c'est fichu. C'est sur la côte, donc c'est sûrement pas ici. Et c'est sûrement pas un endroit où j'ai été. On va aller voir cette dame des portes, ce qu'elle nous réserve.
Vert, c'est gentil, je peux passer dedans, non? Blagueur. Ok. Je vais garder mes boîtes un max quoi parce que je pense qu'il va y en avoir besoin. Ça c'est good. Et je voudrais aller. Je sais pas où je vais aller en fait. Parce que je pourrais très bien passer en face direct. Là, il y a une dalle à pression où j'ai pas été. Donc la logique c'est que là-haut c'est pas ouvert. Enfin que ici c'est pas ouvert. Exactement. Ok. Donc il faut que je réoriente ça. Voilà. Que je mette ça sur la dalle à pression. Apparemment, je crois qu'il vaut mieux pas que je passe dans les rayons. Mais... Je suis un petit coquet. Et c'est tout bon. Pour une fois, on n'aura pas tourné en long. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que... Quoi ça sert ce truc? Oui, du grand silence parce que je suis dubitatif. Tu me suis? Non, ça me suit pas trop. Si, mais ça suit, mais avec du délai. On va bien voir, hein. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. Petit. Qu'est-ce que je vais faire avec mon petit, moi? Youhou! On va l'amener faire un tour. Hein. Ah, ça traverse pas la flotte. Ça ne traverse pas la flotte. Si, c'est juste un peu couillon. Ok. Hop. Non, là, toi t'as pas besoin d'escalier de toute façon. Est-ce que ça va me suivre si je change d'endroit? C'est la grosse question que je me demande. Parce que du coup, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si c'est un bonus à ramener. Ou si c'est l'objectif du truc à ramener.
Je vais prendre l'autre portail du coup, pour la peine. Comment ça, je m'invente des problèmes là où il n'y en a pas? Parfois, oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que la musique soit pas permanente. Il arrive le truc, je l'ai paumé. Je l'ai paumé. Bon, c'est peut-être pas un truc à ramener. Et le ton se dilate. Et je réapparais, je ne sais pas où. Mais alors, pas du tout. Quoi. Bien entendu pas suivi, hop, c'était un poil prévisible quand même. Et là 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 là, c'est la fête. Oui, bah j'ai le droit d'y croire. Hein. Alors est-ce qu'il m'a pas refoutu à l'endroit où j'étais, où j'ai joué avec mes boîtes là? Ça m'étonnerait même pas. Ça y ressemble un peu fortement. Enfin, tout se ressemble un peu fortement, faut dire. Comment ce jeu vous balade? Comment qu'il vous balade? Alors. Procédons par ordre. Fait revenir au départ, c'est là où j'ai inséré l'espèce de truc là-bas, on le voit. D'accord, pourquoi je viens de faire un grand tour. Ok, il y a un bâtiment là-bas que j'ai pas fait, j'ai l'impression. Celui-là, c'est. Ah là 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 là, non, il m'a basculé dans un autre truc, ouh là là. Ok. On va faire ça calmos. Là il y a un truc qui n'est pas activé. Là il y a ce bâtiment que je n'ai pas exploré. Que je vais me tenter. Tel les frontées de base. Alors la lumière, je ne sais pas si c'est une issue ou pas. Tu veux pas. Si tu veux, c'est tant mieux. D'accord. Je vais avoir besoin de toi très souvent, mon ami. Ça, ok. Donc ça doit être le petit portail qui est en bas à côté. Ça baigne. C'est bien à peine de faire un énorme bâtiment pour, comme ça. Comment ça, je me plains encore? Bah oui. Je vais pas me retenir, les gars. C'est assez perturbant de pas avoir d'objectif clair. Bah, ce qui nous attend, c'est normal, mais on sait pas du tout où aller. Quoi. Alors, je rappelle pour les gens, pour le côté technique, que je suis en 720p là, et vous aurez tout loisir probablement de faire tourner ça à fond les biellons sur votre machine. Cube. Bien. Ça, c'est. Là, là, là. Ne touche pas tous les boutons. Si, 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 si. Ne touche pas tous les boutons. Oh que oui.
Bah, on comprend tout de suite mieux. Ouais. J'avais ce genre de tatouage avant, mais je l'ai fait enlever. D'accord, ça c'est une présentation PowerPoint pour Alien. Ok. Je pense pas que ça va me déverrouiller grand-chose. Des ronds, des triangles, des rectangles. Je crois qu'en fait c'est la planète PlayStation qui est en train d'essayer de me parler. Ça doit être ça. Quand ça allumait, tu n'éteins plus. Ok. Ça m'aura beaucoup aidé, les gars. Merci. À bientôt. Je vais aller voir là-bas. Si j'y suis, c'est d'où je viens. Non, d'où je viens, c'est là-bas. Je vais aller voir là-bas si j'y suis, oui. Alors oui, petite erreur qu'il n'y ait pas la musique tout le long, c'est bizarre. Parce qu'en plus, c'est le genre de musique. On peut le générer procéduralement, mais ça peut durer des heures sans jamais vraiment se répéter, tout en gardant les mêmes connotations. Il me perturbe ce jeu. Alors, où suis-je? Je ne sais pas. Que fais-je? J'en sais rien. Je pense que ça va faire partie des streams que les viewers comprennent avant moi. Hop là, bah voilà, c'est très simple. Tu vois, tu as ce diagramme devant toi, tu l'analyses, et en 2 secondes, tu vas comprendre tout ce qui se passe ici. Et robot, robot! Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? C'est à moi ça. J'ai 2 cubes. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 cubes? Un petit apéro? Ouais. C'est une chmuche-muche. Ça doit bouger. Je présume. Ça, c'est d'où j'arrive. Et ça s'ouvre pas. Non, ça ne s'ouvre pas. Tu ne veux pas. Si, regarde. Merci le drone. Je suis content de t'avoir trouvé, toi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me balade ici pour explorer? Ça a l'air. Bon. Où est-ce que je prends le porte? On va faire un petit tour. Salut! T'es un pote toi aussi? Tous les drones sont mes potes. Est-ce qu'il y a un inter sur ça? Non, encore un portail, dameneude. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Puis on peut tourner autour des portaux. Ça vous donne quand même pas grand chose comme indication sur ce qu'il faut faire encore. Et il y a des trucs en bas. Est-ce que je continue de descendre? Allez, je dis banco. Il n'a pas l'air d'y avoir un pet d'interrupteur sur ce truc. Ça doit être juste une tour de relais pour faire passer le rayon, je pense. Une ânerie dans le genre. Attention, tu es tombé. Ah, je suis tombé. Avec un peu de chance, d'avoir un coup de sec. Ouh, le petit curieux. Ah bon, on me fait un passage, j'y vais, je suis comme ça. Encore un portail. Ça ne s'arrêtera vraiment jamais. Je pense que le thème du jour ça va être tourner en bourrique et il me faut un truc pour biduler. Ok. Je me comprends, hein, c'est très technique ce que je dis. Il me faut vraiment un truc pour biduler. Et si je vais là, je vais pleurer. Mais papa. Où je suis, bordel de. Bordel de ce que vous voulez.
Alors je demandais à être dépaysé, je suis servi, hein, c'est cool. Ok. Plop. Pardon. Plop, plop. Plop. Suis le rayon. Alors il y a un truc là. Il y a deux trucs ici. Ok. Ça bouge là-bas et là. Que dalle. Et là. Tu sais pas. Ah si. Bien. Ok, dalle-doc. Ce truc. Ce truc, il va bien faire quelque chose. Suis la lumière. Hein. Follow the light. Ça alimente cette console qui sert à faire léviter des cubes. Ok. C'est un drone aussi, c'est pour moi. C'est mon nouveau jouet. Il est à moi, à moi, à moi. Pourquoi il a un truc rouge sur la tronche? Pourquoi il a un truc rouge sur la tronche? Sur la tronche, il a un truc rouge. Oui, j'aime bien faire le môme de 10 ans qui pose sa question éternellement. Et qui sait très bien qu'il n'aura jamais la réponse, mais ne désespère jamais. Bon. On va dire que j'ai tout activé de ce côté. Oui. Vous me l'achetez? Allez, feu. Alors c'est un jeu qui est quand même difficile à faire voir en stream parce que bah il y a le fait de tourner en rond parce qu'on pige pas oui, ce qu'il faut faire. C'est pas évident. Et c'est heureusement, sinon ça serait pas un jeu. Et du coup. Merde, oui. Et du coup, ça peut être parfois long. Alors, ça part là-bas et ça va là-bas. Pourquoi? Tu ne le sauras pas. Là-bas, ça va, ça va, ça va. Là où il y a une porte verrouillée, bien entendu. Et où il n'y a pas un pet d'inter. Ça me va. pop, 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 pop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je tripatouille d'un terre de gauche là-bas. Celui-là. Plop. Ah, voilà, j'ai une console ici. Oh, purée. D'accord, tout est clair. Tout est simple. Tout est limpide. Il vient droit sur moi. Ah, c'était vert. Dommage. Dommage. Et ça, c'est passé au vert. Qu'est-ce que je dois faire? C'est repassé rouge. Je voulais essayer quelque chose, mais j'ai été bien naïf, je crois. Oui. Donc ça, c'est l'équivalent d'un joystick. Et ça, faut que je le mette. Je sais pas où. Je sais pas pourquoi il faut le mettre ici. Mais apparemment, c'est sa place. Ah, j'avais pas vu ce qu'il y avait en bas. Ça ne m'explique pas non plus ce que quoi, ce que comment, pourquoi d'ailleurs. Hein? Avec qui? Est-ce qu'on admet que j'ai résolu cette partie de casse-tête et puis que je peux me consacrer à l'autre côté que j'ai pas encore exploré là-bas? On va dire oui.
Donc, faut explorer pour bien faire gaffe à trouver tous les interrupteurs pour manipuler les différents mécanismes qu'on croise. Genre ça, ça a l'air d'être mobile, non? Et là, et là, et là. Bubu. Mais alors, gros bubu, là. En plus, j'ai pas mon drone ici. Bizarre. Là, je présume que j'ai une porte bien fermée. Oh que oui. Oh que oui. Et qu'il va falloir l'alimenter. Et pour l'alimenter... J'ai pas tout compris. Pourquoi il y a un petit panneau là? Ce panneau veut me dire quelque chose. C'est juste l'humain qui ne comprend pas. Enfin, qui n'a pas envie de comprendre. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, ça? Ça peut prendre la lumière. Et ça peut prendre la lumière d'en face. Je vais essayer un truc plus ou moins capillotracté. Alors, comme je l'annonçais en intro, oui, il y a de l'exploration, il y a vraiment des énigmes. Ça va être long. Et comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure, oui, à streamer, c'est peut-être pas le plus passionnant des jeux aussi. Parce que, bon, pff, voilà, je tourne en rond, je cherche, je bute, j'essaye. Alors là, ça revient en face, ouais. Mais celui-là, il faudrait que je puisse l'orienter, ce serait génial. Pourquoi ça passe pas à travers? Bon, je vais faire le chemin inverse de l'autre côté. Ça m'aidera peut-être à comprendre quelque chose qui ne passe pas. Hop, ça faudrait que ça passe ici. Et si ça passe ici, il faudrait que ça passe là. Par contre, je vois pas d'où ça doit venir. Si, comme ça. Ouh là là, c'est tordu. Mais ça, c'est bloqué. Ça va être chaud chaud. Alors, bim. Bim. Oh non, la lumière, elle vient bien du premier virage. Où est ma console? Ça alimente ce truc, mais ce truc est désespérément off. Et là, il n'y a qu'une partie du dessin qui est là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je ramène ce truc, que je m'en serve comme d'un élévateur qui me déplacerait la chose qu'il y a dans le sol? Je sais pas. Je vais regarder, hein, parce que c'est pas évident à piger. Ça, c'est quoi? Ça fait quoi? Voilà, c'est la grosse question. Ça ne s'active pas, ça ne... Rien. Alors, est-ce que je dois tous les sortir en un? C'est peut-être ça. Ah, j'ai plus le contrôle! Oui, il faut alimenter, monsieur, pour avoir le contrôle. Ok, oulala, tous ces allers-retours pour rien, c'est terrible. Hop, alors pour alimenter, il fallait que ça tourne à droite. Et bidibu, bidibu. Ok. Tout va bien. Oui, j'aime bien faire quand je passe dans les rayons. Qu'est-ce que j'ai oublié d'alimenter? Non, ce n'était pas un soupir. C'est la console qui s'est réinitialisée, là. Ce jeu me rend fou, complètement fou.
vais y aller. Courage et adversité. Bon, faut que je le positionne pile sous le suivant. Allez, hop. Il ne bouge plus. Ok. Y a plus rien qui bouge. Saperlipopette. Ce sera donc le mot de la semaine. Et on va se quitter là-dessus. Parce que on a déjà fait presque 1 heure. Et je m'en veux de vous en faire voir trop, d'une part. Et puis je m'en veux surtout de vous faire tourner en rond. Donc le mieux, maintenant que vous avez une idée du type de jeu que c'est, bah, c'est voir si ça vous a plu ou pas. On va se laisser sur cette image bien magnifique. Hop. Oh, on a perdu la musique, ça c'est dommage. Bon, bah, on va remettre la musique, c'est important quand même. Et on va faire nos salutations. Donc c'était Epitasis, un petit jeu à moins de 20 balles que vous trouverez en dématérialisé. Si vous aimez l'exploration, si vous aimez les casse-têtes, apparemment c'est fait pour vous, quoi. Maintenant, si le type de casse-tête vous plaît pas trop, si vous n'avez pas aimé Portal, méfiance, ça risque de pas trop vous plaire. Parce que l'idée, c'est un petit peu similaire à Portal, hein. C'est des casse-têtes un peu dans le même genre, avec des mécanismes à activer et se débrouiller avec ce qu'on a, donc le fameux drone, qu'il faudrait que je comprenne un peu mieux d'ailleurs. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, celle des shmups, et puis pensez à vous abonner. Rendez-vous à tout bientôt. Ciao.